Ce soir, c'est décidé. Je fais un tour au grenier. J'ai tant d'affaires à ranger. Tant pis pour les araignées. Ça sent le renfermé, la poussière, l'humidité, un tas de tapis abîmés dissimule une malle oubliée, le coffre ancien sculpté a très bien conservé des vestiges de mon passé. Mes oui-oui et mes cahiers, les années 70, tout à coup ressurgissent. L'école primaire à Muison, les poésies et les chansons. Rendez-moi mon cartable et mes stabilos. Mes tables et mes fables, même mes pénaux. Rendez-moi mes maîtresses, ma cour de récré. Tous les jours de kermesse et les fins d'année. Toujours dans les premiers. J'aimais beaucoup étudier, et dans la classe de CP, j'aidais souvent Sylvia Collier. On m'appelait le dictionnaire, ce dont j'étais très très fier. Une instite me faisait corriger ses textes avant de les dicter. Rendez-moi mon atlas et réponse à tout. Le quid, le Guinness Book, c'était mes joujoux. Rendez-moi mes matins, levé dès 5 heures. J'écrivais des bouquins. J'y mettais tout mon cœur, mais tout n'était pas rose. J'ai eu des instants moroses. J'étais le plus petit, le plus peureux, le plus gentil. Certains étaient jaloux, mes bons points les rendaient fous. Ils me montraient leur savoir-faire à grands coups de règles en fer. Que sont-ils devenus, mes anciens copains? Jean-David, où es-tu? Et Cyril Bernardin? Vous me manquez tellement. J'ai l'air d'un vieux con. Au moins, vous êtes présent dans ma petite chanson.